Je viens d'apprendre que le submersible a du retard. Très bien, on n'a pas encore fini avec la dernière cargaison. Quelle est l'heure d'arrivée estimée? Aux environs de 21h, peut-être plus tard. J'aimerais bien qu'on me paie des heures sup. N'y compte pas. Bon, alors toi ne compte sur personne pour décharger le submersible. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Il y a quelqu'un? Depuis quand t'es... Viens. J'ai encore du travail à faire. Bye.
Je ne veux pas d'excuses. Il faut qu'on ait débarrassé ce chargement dans 20 minutes. Je te l'ai déjà dit, c'est pas possible. Écoute-moi, le succès de l'opération dépend du secret. Il suffit qu'un pilote regarde en bas et voit toutes ces caisses couleur orange vif et on est fichu. J'ai bien compris, mais on n'a qu'un hélicoptère, on fait ce qu'on peut. Eh bien, tu n'as qu'à trouver un moyen de faire mieux. Bah, trouve-nous des hélicoptères. D'accord, je vais t'en fabriquer avec des boîtes de conserve et des allumettes. Ah, c'est pas les sarcasmes qui font avancer les choses. Bon, alors si tu faisais autant de retours... Je pense que c'est possible, mais il faudrait quand même s'occuper du reste. On a... Harris! Ah! Ah!
faire demi-tour, cette chaleur me tue. Moi, la chaleur, ça va. C'est l'humidité qui est insupportable. Hé, hey, je suis d'Alabama. Là-bas, t'as de l'humidité à toutes les sauces, même au petit nez. Thank you.
Ça la semaine dernière. Les résultats n'étaient pas concluants. En plus, on a modifié le rapport carburant oxydant depuis. Mais tu ne peux pas changer le programme juste comme ça. On a besoin de résultats. Mais pour en avoir, il faut modifier le programme, et ben c'est ce qu'on va faire. Le programme est basé sur tes estimations. Notre budget est basé sur le programme. Si tu changes le programme, on dépassera le budget. C'est pas mon problème. Mon problème est de fournir un moteur de fusée plus efficace. Si, c'est ton problème, parce que tu n'as pas respecté le programme. C'est possible, mais si je suis le programme à la lettre, je vais de toute façon le sentir passer parce que je pourrais pas donner ce que j'ai promis, alors je tente ma chance. Tu fais comme tu veux, mais je vais faire un rapport au directeur. Comme il te plaira. Je vais absolument trouver le moyen de saboter ce tir ou je vais avoir de gros problèmes. Tir prévu dans une minute. À tout le personnel, évacuation immédiate de la fosse d'explosion.
À l'aide! Bon alors, c'est quoi cette émeute? Tu n'as pas entendu? Il y a eu une explosion dans la zone de test. Je parie qu'ils ont eu des problèmes avec leur prototype de fusée. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je n'ai pas de détails, mais je serais étonné que personne n'ait été grillé. Bon sang! Soyez gentils et appelez des renforts, voulez-vous? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je n'ai pas de détails, mais je serais étonné que personne n'ait été grillé. Bon sang! Mais j'ai peur qu'il nous... Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je n'ai pas de détails, mais je serais étonné que personne n'ait été grillé. Bon sang! Est-ce qu'il y a eu des blessés? Je n'ai pas de détails, mais je serais étonné que personne n'ait été grillé.
comporte 75 litres d'antidata. Désolé, on est en rupture. Qu'est-ce que ça veut dire en rupture? On devrait avoir une livraison lundi, je peux te mettre sur la liste d'attente. On peut pas l'avoir avant. Je ne suis pas responsable du planning. Il en reste plus du tout. Que dalle, je te l'ai déjà dit, ce truc a une durée de vie très limitée. Mais qu'est-ce que je suis censé dire à mon boss? Dis-lui de faire la queue comme tout le monde. Mais il aime pas faire la queue. Tu veux me faire peur? Toute la journée, il y a des mecs comme ton patron qui me menacent. Le problème, c'est qu'ils veulent tous un truc qui n'est produit qu'à un seul endroit. Il se trouve que cet endroit est dans l'espace. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas en avoir quand on veut. Une fusée part toutes les deux semaines et ramène autant d'antidotes qu'elle peut contenir. Mais la prochaine fusée, elle part quand? Cet après-midi. Elle ne revient pas avant lundi. Exact. Avec qui je peux en discuter? Avec qui tu veux, mais autant pisser dans un violon. Je pense qu'on va avoir besoin de plus d'aide ici. Quelqu'un m'entend ?
Oui, que quelqu'un prenne le téléphone et appelle... Il y a quelqu'un, hein? Mon imagination est trop fertile. Tu crois que nous devrions commencer le lancement? Évidemment! Après ce qui vient de se passer! Mais ça n'a pas de conséquences sur ce lancement! J'espère que tu as raison! Relaxe-toi! Je voudrais bien, mais je suis complètement crispé! Qu'est-ce que tu dirais d'un petit massage? Ça serait divin! Peut-être après? Évidemment! Après ce qui vient de se passer! Mais ça n'a pas de conséquences sur ce lancement! J'espère que tu as raison! Relaxe-toi! Je voudrais bien, mais je suis complètement crispé! Qu'est-ce que tu dirais d'un petit massage? Ce serait divin! Peut-être après? J'ai encore du travail à faire. Thank you.
besoin de soutien. Vous là. Renard appelle chien de chasse, terminé. Allez-y, Renard. Il n'y a pas d'antidote sur l'île. Je répète, pas d'antidote. Grand Dieu. Mais je crois savoir où en trouver. Où ? Dans l'espace. Veuillez répéter, je jurerai que vous avez dit dans l'espace. Oui, c'est ce que j'ai dit. Une fusée sera lancée dans une demi-heure. J'ai l'intention de faire le voyage. Négatif, trop risqué. Vous avez oublié d'ajouter pour une femme. Ne vous faites pas de soucis, ça ira. Je ne vais pas laisser mourir des milliers de gens parce que je n'avais pas envie de risquer ma peau. Très bien, faites comme prévu. Mais revenez-nous en un seul morceau. Comptez dessus. Une fois à bord de la station spatiale du crime, trouvez l'endroit où est stocké l'antidote. Votre combinaison spatiale devrait, dans une certaine mesure, camoufler votre identité, mais n'espérez pas tromper les gardes. Si vous rencontrez une personne armée, évitez-la ou liquidez-la. Après avoir récupéré l'antidote, trouvez un moyen de revenir sur Terre. Chaque chose en son temps. Biscuit ! Oui, sir. Est-ce que tu peux aller inspecter l'équipage de la fusée qui vient d'arriver? Ils n'ont pas encore débarqué et leur radio ne répond plus. Super, encore un court-circuit. Et c'est ce que je pense. Ah, j'aimerais bien mettre la main sur celui qui a construit cet tas de ferraille. Et trop tard, on l'a expédié par le SAS le mois dernier. Quoi? Et je n'en ai rien su. Et c'était une cérémonie privée. Oh, fais pas le prétentieux. Excuse-moi. Bon, je vais aller inspecter cette fusée. Et si c'était pas un court-circuit? Allô? Et tout va bien, les gars? Dieu merci, cette fusée a fini par arriver. Je suis impatient de...
de descendre à terre. Ah oui, moi j'aime bien être en haut. Tu es fou, c'est nul cet endroit. Arrête, ce n'est pas si mal. Une fois que tu t'es habitué. C'est possible, mais j'aimerais mieux être coincé pendant une semaine dans des cabinets à la campagne que de passer une seule journée de plus dans cette souricière volante. Une souricière ? Faudrait que c'est mort, c'est moi.
quand je suis dans vos bras. À quoi puis-je vous résister ? Réservé, imbécile.
Salut! J'ai encore besoin de verre. Que cette station soit touchée par une pluie de météores est si minuscule qu'elle n'apparaît même pas sur le super analyseur électronique. C'est possible, mais les courbes annoncent une collision. L'œil humain n'est pas à la hauteur de la puissance analytique du super analyseur électronique. Je le sais mieux que personne, c'est moi qui l'ai construit. Oui, je sais, tu l'as construit, tu me le dis 1000 fois par jour, mais... Eh, Marvin, je crois savoir pourquoi le super analyseur électronique ne peut pas analyser les probabilités d'un impact. Et pourquoi donc? Il n'est pas branché. Météore, bien reçu, 3 sur nous. On devrait avertir les autres. Tu veux vraiment déclencher la panique? N'oublie pas qu'il y a plus de 70 personnes sur cette station, mais seulement 20 places dans les modules de secours. Bien vu, on se retrouve sur Météore. Il y a quelqu'un? Bientôt. Bonjour, ne vous occupez pas de moi. Jupiter, il y a quelqu'un? Belle journée, n'est-ce pas? Thank you.
Il faut qu'on se tire d'ici. Attendez-moi. Vous avez l'antidote, mais vous ne savez toujours pas à qui l'administrer. L'étape suivante sera la plus incertaine et aussi la plus critique. Tout échec coûtera la vie à des innocents. Vous avez l'air fatigué.